Antidéose était un artiste entier. Savez-vous qu'il était à la fois chanteur, peintre et architecte? Né à Port-au-Prince le 3 juin 1934, Antidéose commence sa carrière en interprétant des mélodies de la musique classique. En 1970, il gagne le 3e prix du Festival mondial de la chanson au Mexique avec sa chanson « Maria ». Par la suite, il sera chanteur dans différents groupes comme les Diplomates ou les Fantaisistes de Carrefour. En 1972, il sort son premier disque, Ansi, sa musique et sa poésie. Son deuxième album, Covadis Terra, connaît un grand succès. À partir de 1976, Antidéose forme avec sa femme Yol Ledan le couple d'artistes mythiques du XXe siècle haïtien. Yol et Antidéose fascinent le public haïtien. En plus d'être chanteur, Antidéose était aussi peintre et architecte. Il meurt de cancer le 17 janvier 1998, après avoir réalisé un album somptueux, Haïti Mélodie d'amour.